Oh hello guys! Eh oui, le retour de la vlogging caméra, en plein Paris, comme ça, en pleine nuit, sans prévenir. Eh ben oui, je vais faire un truc très amusant ce soir, je vais passer la soirée et la nuit dans un hôtel où j'ai toujours rêvé de dormir, grâce à une marque, et j'ai pu inviter quelqu'un. Donc vous allez voir, donc voilà, je suis prête à partir. Oui, j'ai une valise, mais elle est toute petite quoi! Attendez, pardon. Elle est toute petite, mais en fait, c'est que j'ai un autre gros pull pour demain, et j'ai pas du tout des robes du soir ou des trucs comme ça, hein. C'est pas du tout un hôtel, genre luxe ou je sais pas quoi. Mais, puis j'ai des tas de pyjamas, hein. On sait jamais, voilà. Donc, en route, j'y vais à pied. Vous voyez un peu le luxe? À pied. Vous avez deviné déjà, hein, les gens qui connaissent un peu Montmartre. Ça va être canon, ça va être canon. Mais ça fait, je sais pas, 3 semaines, 1 mois que je suis surexcitée avec ce truc. Voilà. En route. Bon, on est arrivé. Vous reconnaissez? Regardez! Regardez où on va passer la nuit! Oh non, c'est pas possible! Ça fait des années que j'en rêve! Ah, c'était... Oh là 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 là! Le nombre de fois où je suis venue dans ce jardin! J'ai même fait des photos pour mon blog dans ce jardin et tout et tout. Et vous allez voir, la chambre qu'on a, c'est... Oh bah, c'est dégueulasse. C'est tout simple, c'est dégueulasse. On s'est bien foutu de notre gueule une fois de plus, vous allez voir. Allez, je vous laisse, on continue. Alors, on nous a réservé la suite numéro 5, à laquelle on accède par un petit escalier, et qui est... C'est pas compliqué, ça fait 2 fois la taille de mon appartement. Regardez-moi ça. Il y a un sapin de Noël. Il y a un sapin de Noël. On est sous les toits. Oh mon Dieu, il y a des fleurs hyper jolies partout. Et donc, on est là avec Roger Gallet. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est adorable. Regardez, il y a des cadeaux sous le sapin. Oh, c'est tellement joli. Et alors, c'est complètement dingue. J'avais dit, il nous faut une chambre à 2 lits. Parce que je suis avec Raphaël. Et je pensais qu'on allait avoir 2 lits jumeaux. Eh ben non, il y a un lit ici et un autre là-bas. Voilà, à l'autre bout du pays, là. C'est complètement dingue. C'est immense. Là, il y a la salle de bain. Avec plein de petits produits. Oh, plein de petits produits Roger Gallet. Là, c'est bon si on avait oublié quoi que ce soit. On a ce qu'il faut. Oh, des bouquets hyper jolis partout. C'est tellement délicat. C'est vraiment mais ravissant quoi. J'avais déjà vu cette chambre parce qu'elle est souvent louée pour des présentations presse, mais je l'avais jamais vue en chambre quoi. Voilà, si on veut prendre un bain au milieu du salon, on peut. Et même qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est ces draps, ça sent trop bon. C'est incroyable. C'est tellement calme. Et demain matin, ça va être dingue parce que d'ici, on a une vue magnifique sur... Bah là, on ne voit pas, hein. Mais sur le jardin, Montmartre et tout. Oh là 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 là. C'est absolument ravissant. Je suis un tout petit peu moins fan des deux dames avec les cheveux dans les yeux, là, mais bon, c'est pas très grave. On a l'impression d'être à la campagne. C'est sublime. Bon bah voilà, on est dans notre petit chalet, notre petit je sais pas quoi. On est très bien, on a mis de la musique, on regarde le sapin et ensuite on va aller dîner. Je suis pas sûre de vous emmener dîner. Pourquoi cet angle est-il tellement peu flatteur? Ah là c'est parfait, ne bouge plus, ne bouge plus. Je suis pas sûre de vous emmener dîner parce que la salle de resto est assez petite, les tables sont assez serrées et donc je pense que les gens d'à côté vont pas forcément adorer avoir quelqu'un qui sort son appareil toutes les 30 secondes en disant « Oh mon Dieu, des champignons, c'est extraordinaire !» Je sais pas quoi. Pas forcément indispensable. Mais après, on va peut-être prendre des bains et faire des masques et tout, je vous montrerai dans ce cas-là. Voilà, voilà. Et il fait très très froid dehors et donc c'est bien d'être là, pas au coin du feu, mais presque au coin du sapin. It's me again. En direct du Noël de Roger Gallet. On a hyper bien mangé. Franchement, le resto de l'hôtel particulier, mais alors, waouh, c'est super gastronomique, quoi. Donc c'est hyper étonnant, vraiment délicieux. Donc maintenant, petit soin du visage, tout ça, masque et tout.
et on ouvrira les cadeaux demain matin comme des petits enfants. Ça me paraît bien de faire comme ça. Il y aura plus de lumière aussi. Voilà. Oh hello guys, regardez comme c'est joli ce matin. Il y a un petit peu de condensation mais il fait super beau et on voit le ciel. On a vachement bien dormi, on a l'impression de s'être réveillé à la campagne quoi. C'était trop agréable. Donc on est allé prendre notre petit déjeuner et maintenant ça va être l'heure des cadeaux. Peut-être on va se maquiller avant. Parce que quand même, la tête sans maquillage, c'est moins facile quoi. Voilà, voilà. Les enfants, c'est l'heure des cadeaux. J'ai 6 ans. J'ai 6 ans, c'est tout. Voilà. Oh, parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Merci Roger d'y aller. On en prend un chacun? Ouais. Allez. Vas-y. Je commence. On prend un chacun. Regardez, ils ont fait des jolis paquets. Oh, plein de savon. Oh non, c'est génial, j'adore. C'est quelle senteur? On a plusieurs. Fleur de figuier. Ouais. Rose fleur d'osmanthus. Ouais. Ça existe, ça? Ouais. Il y en a un, j'arrive pas à lire. Les deux autres, j'arrive pas à lire. D'accord. C'est écrit, mais je pense que c'est de la rose, puisque c'est rose. Ouais. Et l'autre. Ils sont géniaux ces savons. On en avait dans la salle de bain. Mais bah, c'est écrit derrière, je suis un peu débile. Ah ben voilà. Bois d'orange, rose, fleur d'osmanthus et fleur de figuier. Top. Ça sent de... Ouais, non, ça sent à travers la boîte. Moi, j'arrive pas à ouvrir les paquets vite, tu sais, j'arrive pas à déchirer les paquets. Ah, je suis désolée. Non, non, ah non, mais c'est pas du tout un problème. Moi, j'y arrive pas. Attends, là, c'est mon côté psychorigide. Oh, des petites crèmes pour les mains, c'est trop chou. Petite crème pour les mains, donc baume mains et ongles, il y en a à la fleur de figuier, à la fleur d'osmanthus et au gingembre rouge. Voilà. Les cadeaux, je vous dis, mais pour les cadeaux, ils sont trop forts. C'est mon tour. C'est, oui, je sais, j'allais me jeter dessus. C'est ton tour, pardon. Bon, moi, je fais ça de façon beaucoup plus brutale. Bah, oui, mais toi, t'as 6 ans. Hein. Voilà. Moi, j'en ai 47. Oh, c'est une autre petite maison. Ah, il y a une bougie. Et un extrait de Cologne, Verveine Utopie. Oh, c'est pas vrai. Et la bougie Verveine... Oh non, mais alors ça, celui-là, il est pour moi. Ah, qu'est-ce que c'est mignon. Je suis désolée, mais je te le laisse. Aucun problème. Oh, j'adore. C'est très, très bien. Tu vois. Oh, la bougie à la verveine. Ah, c'est une autre petite maison, je le sens. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans cette fois? On a dit qu'on avait le droit d'écrire les paquets. Ah, ben non, j'y arrive même pas. Ah, j'ai réussi à déchirer les paquets. Et ça, c'est un coffret fleur de figuier. Dis donc, c'est du métal, hein, c'est même pas du plastique, attention. Un coffret fleur de figuier, bah, non, fleur de figuier avec l'eau parfumée, le gel douche et le lait repulpant nourrissant. Oh, trop chou. Le dernier, c'est pour toi. Le gros sac. Ah, c'est une maison aussi. C'est une maison aussi. Sur gingembre rouge. Génial. Bah, on a à peu près toutes les gammes de tout, quoi. Hein. Plus 8 litres de cassis frénésie. Donc là, c'est bon, on est paré. C'est ça. On a envie de... Wouh, wouh. Les rubans de toutes les couleurs. Là, 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 là. Ah, c'est cool. Ouais, bah, c'est ça. C'est Noël 6 ans comme des petits-enfants. Ça, c'est vraiment cool parce que... Bah, voilà, Noël, on n'a pas forcément 6 ans et on n'est pas forcément gâté à ce point. Donc, on est bien contents. Et voici la scène du crime. Oh, et le sapin. Mais ce sapin est tellement chaud. Et toutes ces fleurs, là, regardez comme les bouquets sont jolis. Bon, un petit café. Carrément. Bon, et ben on est venu prendre un petit café dehors avant de repartir. Et on est tellement bien. Il fait froid, certes, mais alors regardez, en plus, il y a des poules géantes. Elles sont vraiment gigantesques. Hein. Je veux dire, elles doivent m'arriver aux genoux, quoi. J'ai jamais vu ça. Bon, elles n'ont pas l'air agressives, Dieu merci, parce que je suis pas très très fan des poules, quand même. Et donc, voilà. Il fait un temps magnifique. C'est une très très belle expérience. On a l'impression d'être parti en week-end à la campagne. N'est-ce pas? C'est vraiment... C'est super agréable.
Donc cet endroit est aussi agréable l'hiver que l'été, en fait. Parce qu'avec Raphaël, on adore cet endroit. On y a passé énormément de moments l'été, à faire des photos, à boire des cafés. Quand il faisait une chaleur de bête, on venait se réfugier ici, quand on habitait tous les deux dans le quartier. Et du coup, dormir là, c'était sympa, quoi. Et c'est aussi sympa l'hiver. Bon, évidemment, il faut être bien couvert, mais... Et le personnel est adorable. Mais alors, adorable, vous n'avez pas idée, c'est... ils sont vraiment aux petits soins, ils sont gentils, simples, attentionnés, décontractés, enfin, vraiment hyper agréables, quoi. Donc, merci beaucoup Roger Gallet, parce que sans vous, on n'aurait pas eu l'expérience, enfin, la possibilité de faire cette expérience, et de repartir avec 8 millions de produits Roger Gallet dans nos valises. Donc, c'est vraiment, voilà. Le week-end à la campagne, avec des cadeaux Roger Gallet en prime, et un sapin, Noël avant l'heure, tout ça... C'était vraiment, c'était une super idée, quoi. On a bien profité, merci beaucoup.